Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler quatre astuces qui vont vous permettre d'améliorer énormément l'autofocus du Canon R6 et du Canon R5. Ça va fonctionner exactement pareil sur le Canon R5 parce qu'ils partagent exactement les mêmes fonctionnalités. Et donc, je vais vous montrer quatre techniques et réglages qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace sur le terrain et surtout d'être beaucoup plus réactif avec l'autofocus. On va commencer tout de suite avec la première astuce qui va nous permettre de régler un très gros problème qu'on retrouve sur le Canon R6 et sur le Canon R5. C'est le fait que la détection du sujet et surtout la détection de l'œil ne soit possible que sur la méthode autofocus zone complète donc c'est celle qui est représentée par le petit smiley avec le plus suivi en fait si je viens activer ici vous voyez que je peux avoir la détection du sujet et également la détection de l'œil et si j'utilise une autre méthode autofocus par exemple un collimateur je n'ai plus la possibilité d'avoir la détection de l'œil et ça c'est un gros problème sur le Canon R6 et le Canon R5 parce que lorsqu'on va activer la détection de l'œil on est forcément en méthode autofocus complète et vous allez voir que si on est en méthode autofocus complète et qu'on a plusieurs sujets sur la sur la scène qu'on veut photographier et eh bien ça va être très compliqué de choisir sur sujet l'autofocus doit être fait là par exemple imaginons je vais faire l'autofocus plutôt sur le loup en arrière-plan et bien avec cette zone autofocus complète vous voyez que c'est tout simplement impossible parce que l'appareil photo va toujours détecter en premier le héron parce que le héron est beaucoup plus proche de moi que le loup et donc là c'est clairement impossible de faire la mise au point sur le loup tout simplement parce que l'appareil photo va toujours le faire sur le héron alors on pourrait avoir la possibilité de faire la mise au point sur le loup si on venait changer notre composition par exemple si je venais sortir le héron et que maintenant je viens appuyer sur le bouton pour faire la mise au point vous voyez que je vais automatiquement capter le loup en priorité mais le problème c'est que c'est pas forcément très intuitif et surtout c'est pas forcément très pratique à mettre en place pour la photographie en sur des sujets en mouvement. Donc c'est vraiment le gros point noir de ce Canon R6 et de ce Canon R5 c'est que la détection de l'œil et du sujet ne fonctionne qu'en zone autofocus complète mais il existe un petit réglage qui se retrouve dans le menu autofocus sur la page numéro 5 c'est la première option qui s'appelle collimateur AF servo initial pour la zone autofocus complète donc par défaut elle est sur automatique mais moi je vous conseille de sélectionner la première option donc je vais appuyer sur le bouton 7 pour valider l'opération et maintenant si je retourne en mode prise de vue photo, vous allez voir qu'on va avoir une petite chose de différente. On va à nouveau se retrouver avec la zone autofocus complète si je retourne ici sur la page numéro 1, vous pouvez voir que je suis en méthode autofocus complète, mais la différence maintenant c'est que lorsqu'on a activé cette option, on a une petite zone collimateur qui s'affiche maintenant, c'est le petit carré blanc qui va vous permettre en fait d'initialiser la mise au point et de choisir la zone sur laquelle va faire la mise au point en priorité même avec la zone autofocus complète et donc avec la détection du sujet. Et cette petite zone collimateur qui se trouve dans la zone complète, on va maintenant avoir la possibilité de la déplacer. Vous allez voir que ça va me permettre de faire la mise au point exactement sur le sujet que je veux. Par exemple, si je viens positionner sur le héron et que je viens appuyer sur le bouton pour faire la mise au point, vous voyez que automatiquement l'appareil photo va faire la mise au point sur le héron. Maintenant, si je relâche et que je change cette petite zone collimateur pour aller la déplacer sur le loup, vous allez voir que si je viens faire la mise au point, maintenant l'appareil photo va me faire la mise au point sur le loup. Et donc je vais pouvoir conserver la détection du sujet et surtout la détection de l'œil. C'est un mode qui est beaucoup plus pratique. Moi, c'est un réglage que j'ai découvert récemment et qui qui a vraiment changé mon avis sur le Canon R6 et sur le Canon R5. Ça vous permet de conserver la détection du sujet et de pouvoir initialiser la mise au point sur la petite zone que vous allez indiquer grâce au petit carré blanc. Donc vraiment un réglage hyper pratique. Je pense que c'est le réglage le plus important sur le Canon R5 et le Canon R6. Ça vous permet de conserver la détection du sujet et de l'œil, mais de pouvoir utiliser une plus petite zone collimateur pour initialiser la mise au point. Et donc gagner énormément de temps et être beaucoup plus réactif sur le terrain et surtout plus précis si vous avez plusieurs sujets sur l'image ou bien si vous avez des éléments en premier plan et que vous voyez que l'autofocus a du mal à faire la mise au point dessus, vous savez qu'avec cette petite zone collimateur initiale, vous allez pouvoir sortir les éléments qui vous gênent de la zone autofocus. On passe maintenant à la deuxième astuce qui va vous permettre également de régler un problème qu'on retrouve très fréquemment en affût et qui va vous faciliter la vie, c'est la possibilité de choisir l'emplacement de la zone collimateur lorsque vous allez passer du mode portrait au mode paysage. Imaginons que je veux photographier cet oiseau en mode paysage, je vais plutôt avoir tendance à placer le sujet sur la règle des tiers et donc imaginons je vais utiliser ma petite zone collimateur initiale pour initialiser la mise au point et maintenant imaginons que je veux passer en mode portrait pour changer ma composition vous allez voir que si je passe en mode portrait on va avoir un souci par exemple si je viens faire ma composition comme ceci et eh bien vous allez voir que maintenant la zone collimateur n'est plus sur le sujet ce qui peut poser problème en termes de réactivité parce que du coup je suis obligé de refaire la mise au point et je vais donc devoir déplacer ma zone collimateur pour la mettre sur le sujet comme ceci et ensuite faire la mise au point. Donc vous voyez c'est pas forcément très pratique si on passe du mode portrait au mode paysage, on va toujours avoir notre zone collimateur qui ne va pas être au bon endroit. Et bien ça ce comportement, on peut le modifier dans le menu autofocus, ça va se passer sur la page numéro 4, c'est la toute dernière option qui s'appelle collimateur AF lié à l'orientation. Par défaut, cette option est mise sur idem orientation verticale horizontale, mais vous avez également la possibilité d'activer la deuxième option qui s'appelle collimateur AF distance collimateur seul. Donc je vais appuyer sur le bouton OK pour valider cette opération et vous allez voir maintenant que le comportement va être très différent si je retourne en mode photo que ici je suis en mode paysage, je vais poser mon collimateur sur le sujet comme ceci. Imaginons maintenant je veux passer en mode portrait. En fait, ce réglage va vous permettre vraiment de sauvegarder la position de la zone collimateur selon le mode portrait ou le mode paysage. Par exemple, ici je vais me mettre pour le portrait. Je vais faire la composition comme ceci. Donc je vais placer la zone collimateur sur le sujet. Voilà, comme ceci. Donc là en mode portrait, j'ai ma zone collimateur qui est ici. Mais regardez maintenant, je vais passer en mode paysage. Regardez vraiment le petit carré. Vous allez voir qu'il va automatiquement basculer pour se positionner au bon endroit, ce qui va donc me permettre de passer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement du mode portrait au mode paysage parce que je sais que du coup la zone collimateur va s'adapter en permanence et va sauvegarder la position que j'avais décidé lorsque j'étais en portrait et également en paysage donc un réglage vraiment très pratique lorsque vous allez faire des affûts et que vous savez que votre sujet va toujours se retrouver au même endroit vous allez pouvoir paramétrer une position du collimateur pour le mode paysage également une autre position pour le mode portrait donc comme le sujet va tout le temps venir au même endroit comme c'est le cas par exemple lorsqu'on fait des affûts aux oiseaux à la manche et bien vous allez pouvoir très facilement et très rapidement passer du portrait au paysage et faire la mise au point beaucoup plus rapidement dans chaque situation. On passe maintenant à la troisième astuce qui va également vous être très utile lorsque vous allez faire des affûts par exemple des affûts aux oiseaux comme c'est le cas actuellement et qui va permettre de régler un autre problème qu'on retrouve sur les appareils photo Canon c'est le fait que lorsqu'on va éteindre et rallumer l'appareil photo la mise au point de l'objectif va être initialisée. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite, vous allez comprendre très facilement. Imaginons que je veux prendre en photographie cet oiseau qui est posé sur une branche donc je vais faire la mise au point dessus et donc là imaginons que l'oiseau s'envole et eh bien ça peut arriver dans certaines situations lorsque l'oiseau met beaucoup de temps à revenir se poser sur la branche ça peut arriver qu'on vienne éteindre l'appareil photo pour économiser de la batterie et vous allez voir que le problème sur les appareils photo canon c'est que lorsque l'on va éteindre et rallumer l'appareil photo et eh bien vous allez voir que la mise au point ne va pas être conservée parce que à chaque fois qu'on va éteindre et rallumer l'appareil photo l'objectif va toujours réinitialiser la distance de mise au point et donc on va perdre la distance de mise au point qu'on avait calculée avant d'éteindre l'appareil photo et du coup on va être obligé de refaire la mise au point au bon endroit. Et ça, ça peut vraiment être très contraignant pour la photographie animalière parce que ça va vous faire perdre en réactivité et surtout ça va vous faire louper énormément de photographies. Et en fait, on a la possibilité de régler ça. Donc il faut aller dans les réglages de l'appareil photo. On va aller cette fois-ci sur le menu personnalisation. Donc c'est le menu orange et on va aller sur la page numéro 4 et on va sélectionner l'option qui s'appelle Objectif Rétracté si extinction. Par défaut, cette option est sur on, mais moi je vous conseille très fortement de la mettre sur OFF. Donc je vais appuyer sur le bouton 7 Et vous allez voir maintenant que si je retourne en mode prise de vue photo et que je fais la mise au point sur mon sujet et que je viens éteindre l'appareil photo et que maintenant je décide de le rallumer, et eh bien vous allez voir que là ça va être très différent puisque du coup la distance de mise au point n'aura pas du tout changé. Voilà là l'appareil photo vient de se rallumer et vous pouvez constater que la mise au point n'a pas été réinitialisée et j'ai toujours la distance de mise au point qui est calée sur la branche. Donc également un réglage extrêmement pratique lorsque vous faites des affûts et que vous savez que le sujet va se retrouver à chaque fois au même endroit. Ça vous permet d'éteindre votre appareil photo lorsque le sujet n'est pas là pour économiser de la batterie. Et vous savez que lorsque vous allez rallumer l'appareil photo, la distance de mise au point sera conservée sur le support sur lequel vous étiez en train de photographier. On passe maintenant à la quatrième astuce qui va également concerner l'autofocus et qui va vous permettre de choisir la sensibilité de l'autofocus lorsque vous allez faire la mise au point sur un sujet initial et qu'un autre sujet va rentrer dans l'image. Alors c'est un réglage qui se retrouve dans le menu autofocus, donc le menu rose et ça se trouve sur la page numéro 4. C'est l'option qui s'appelle Changement de sujet suivi. Par défaut on est sur l'option 1, c'est-à-dire que si on fait la mise au point sur un sujet et qu'un autre élément vient s'interposer entre le sujet et nous, l'appareil photo va attendre un petit peu et ensuite il va faire la mise au point sur le nouvel élément. Mais ça, on a la possibilité de le changer. Par exemple, si je viens mettre sur l'option numéro 2, je vais indiquer à l'appareil photo de changer rapidement de sujet, c'est-à-dire que je vais augmenter la sensibilité de l'autofocus. Et donc là, imaginons que je vais faire la mise au point sur cet objectif. Donc je vais me placer comme ça. Et donc je vais lancer la mise au point en continu. Vous allez voir que si un élément vient s'interposer entre mon sujet et moi, L'autofocus va automatiquement tout de suite essayer de faire la mise au point sur le nouvel élément qui va apparaître au premier plan. C'est donc à ça que sert ce réglage du changement de suivi de sujet. Et si maintenant je me mets à zéro et que je choisis l'option qui s'appelle priorité initialisation, cela signifie que l'appareil photo va essayer de garder au maximum la mise au point sur le sujet initial et va mettre un petit peu plus de temps à faire la mise au point sur l'élément qui va s'interposer entre le sujet et moi. Donc je vais faire la mise au point sur le sujet initial, donc sur l'objectif. Et vous allez voir maintenant que si un élément vient se mettre entre moi et sujet, l'autofocus va essayer de conserver au maximum la mise au point sur le sujet initial, il ne va plus essayer de faire la mise au point sur le nouvel élément. Alors il y aura forcément une certaine limite, mais regardez vraiment la différence, l'autofocus va avoir tendance à beaucoup moins patiner et va vraiment essayer de conserver au maximum la mise au point sur le sujet initial. Donc c'est un réglage qui est vraiment hyper intéressant que moi j'aime beaucoup utiliser et modifier selon la situation. Donc généralement je suis sur la valeur 1 qui est la valeur par défaut qui va fonctionner la plupart du temps, mais j'aime également me mettre sur la valeur 0 si je vois qu'il y a beaucoup de sujets par exemple j'ai fait un séjour récemment en camargue il y avait beaucoup de flamants roses et l'autofocus avait tendance à faire la mise au point sur un flamant rose qui venait se mettre entre mon sujet initial et moi et bien grâce à cette option en la mettant sur zéro je pouvais vraiment conserver la mise au point sur mon sujet initial et du coup j'étais beaucoup moins perturbé par les autres flamants roses qui venaient s'interposer entre moi et mon sujet donc essayez vraiment de tester chez vous sur la situation il faudra changer le réglage alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont mettre plutôt ce réglage sur deux en pensant que ça va rendre l'autofocus beaucoup plus précis et beaucoup plus réactif Effectivement, ça va le rendre beaucoup plus réactif, mais du coup, si vous avez des éléments au premier plan par exemple de l'herbe au premier plan ou bien des sujets qui viennent se mettre entre vous et le sujet, et eh bien là, vous allez avoir l'autofocus qui va vraiment patiner dans tous les sens. Donc généralement, moi je déconseille de mettre sur la valeur 2 même si beaucoup de monde fait ça. Moi, je vous déconseille très fortement de mettre sur la valeur 2 et de plutôt rester sur la valeur 1 par défaut. Bien si vous voyez que l'autofocus a vraiment tendance à changer en permanence de sujet ne pas conserver votre sujet initial. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser la valeur sur 0 qui va vous permettre de travailler vraiment le maximum possible sur votre sujet initial. Alors si vous aimeriez découvrir beaucoup plus de réglages et d'astuces de ce genre sur votre Canon R6 ou sur votre Canon R5, j'ai sorti des formations complètes dédiées à ces deux appareils photo dans lesquelles je vous montre vraiment en détail tous les réglages et tous les menus de ces appareils photo. Je vous fais des démonstrations en temps réel pour vous expliquer comment fonctionnent ces différents réglages et surtout comment les utiliser sur le terrain. C'est un type de formation que j'avais déjà faite pour la sortie du Canon R7 et qui a énormément plu aux utilisateurs du Canon R7 parce que leur a permis de vraiment comprendre beaucoup Mieux leur appareil photo et surtout comment l'utiliser parfaitement sur le terrain. Donc, si vous avez encore du mal à utiliser votre Canon R6 ou votre Canon R5, je vous mettrai le lien de ces formations dans la description ou également sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces quatre astuces. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je publie en moyenne une à deux vidéos par semaine consacrées à la photographie animalière. Et si vous aimeriez progresser beaucoup plus rapidement en photographie animalière, notamment à Beaucoup plus de créativité à vos images. Vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Je vous mets également juste en dessous une autre vidéo où je vous montre d'autres réglages et d'autres astuces pour les appareils photo Canon Hybride. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube